Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai fait plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui on se retrouve sur Arma 2, donc sur le mode Wasteland. Aujourd'hui, oula, ça lag. Ah, c'est bon. Donc ouais, donc aujourd'hui un petit Wasteland des familles, histoire de pouvoir vous parler un petit peu, histoire de pouvoir faire une petite vidéo, quoi, tout simplement. Puisque ça fait déjà assez longtemps, mine de rien, que j'ai même pas fait de vidéo. Oh, salut toi. Ah, c'est pas ça. Ouais, c'est un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et ça m'embête un peu, quoi. On va prendre ça. Bon, avant tout aussi, ça fait également longtemps que je n'ai pas fait de... Putain. De Wasteland, comme vous pouvez voir. Oh oh. Je suis désolé. Je me concentre un peu. Ouais, j'essaye. Et hey, c'est ouf. Oh, le saut qu'on fait, quoi. Bon. Donc ouais, comme je commençais à vous dire petit à petit, peut-être que je vais pouvoir le faire, enfin vous le dire correctement un jour. Aujourd'hui, vidéo Arma 2, vraiment histoire de vous parler, donc pas de prise de tête ni rien. On va juste jouer, tout simplement. Merde, non, pas tellement s'il vous plaît. Et donc quoi, ouais, donc on va déjà s'équiper un peu. Allez, retire ça. Donc je suis désolé, il y a des petits lacs par-ci par-là. Ouais. Bah je peux pas y faire grand chose, hein. Je suis désolé. Mais... Et le mec il m'a tiré à travers le mur. Du moins il a essayé de tirer à travers le mur. Je vois qu'il y a un gros cheater sur le serveur. Waouh, c'est la guerre, hein, je peux même pas parler. Je suis tellement stressé là, vous avouerez.
C'était très chaud pour moi là. Je vais essayer de partir de là, mais là, c'est extrêmement chaud comme game. Pourtant, sur le serveur, on n'est pas forcément beaucoup. Hein. Oh oh. Il y a du monde partout. Donc ouais, on est sur Wasteland, donc sur Utes. Hein. Je pouvais enfin vous parler un petit peu de ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va tout simplement faire du PVP, un max. Donc c'est le mode fait pour, on va dire. Je me suis foutu en indépendant, hein, comme d'habitude, sur Utes, au moins. Et mon but, ouais, ça va être de faire du kill. À mort de kill, histoire de vous distraire un peu, de vous faire un petit peu plaisir. Histoire de faire une vidéo, quoi, j'ai envie de dire. Histoire de pouvoir vous parler un petit peu. Ça fait longtemps, hein, que, quand même. Enfin, ça fait longtemps. Vous, ça. Enfin, je vous ai parlé il y a 2 semaines. Quelque chose comme 2 semaines. Bon, ça va encore, ça pourrait être pire, hein, ça pourrait être un mois et demi. Là bon, c'est pour un mois et demi, je vous avais quand même prévenu, hein, comme quoi que je ne pourrais pas faire de vidéo parce que je n'étais pas chez moi du tout. Donc là, mon but, là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller rendre visite. Je crois qu'il m'a vu. Je faisais mi-temps. Il est juste là. Là, ça va être très chaud. Parce que je ne peux pas tellement montrer. Parce que c'est quand même un tank. On est sur Armada, on n'est pas sur Cloud ici. Ni Battlefield. Oh lol, il s'est fait exploser le machin. J'ai joué au mec, d'accord. Par contre là je suis super explosé, donc je suis un peu dans la merde. Je me cache un peu. Ce tir des mers, en fait en même temps c'est normal, j'ai envie de dire. C'est du arma, ça tire de partout. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous dire de spécial? On pourrait peut-être parler un petit peu de CSGO, on pourrait peut-être parler de Fallout 4, pourquoi pas, on pourrait aussi parler de... je sais pas. Hein. Là, j'ai juste lancé la vidéo en mode YOLO. En mode YOLO, je fais une vidéo, j'en ai rien à foutre. Donc ouais, donc on va commencer avec CSGO. Donc, faut savoir que j'ai atteint le niveau 40, donc j'ai été rewarded, enfin j'ai été récompensé entre guillemets d'une médaille de service 2015. Donc c'est une médaille, si je pense au montage, je vous l'afficherai dans un coin. Donc c'est ouais, c'est plutôt. C'est plutôt cool comme gift. Normalement il y a un mec là. Je sais pas ce que j'ai tiré, mais en même temps je pensais que j'allais le voir plus que ça dans le viseur, parce que j'ai rien vu. Dans le viseur. Il est là. Il est là. Ah, il est mort. Bon, voilà, donc, je compte pas monter là-dedans, c'est juste voilà pour tuer un mec.
Non, quoi, comme j'ai dit sur CSGO, j'ai été récompensé de mes. Enfin, de mon level 40. D'ailleurs, j'ai même passé level 41. Enfin, je pensais que j'allais obtenir la médaille au niveau 41, mais en fait, non, c'était dès le niveau 40. Bon, c'est pas grave, j'ai fait un niveau pour rien, mais enfin. Du coup, une fois que t'as la. Une fois que tu as la médaille, ça te remet les stats à 0. Enfin, moi, le level à 0. Je sais pas si. Non, je pense pas que les stats soient mis à 0, le ratio, tout ça. Bon, en tout cas, le niveau, lui, le level est remis à 0. Enfin, 1, du coup. Hein, parce que comment c'est level 1. Donc, il est remis à level 1. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai fait deux games tout à l'heure de CSGO, donc j'ai fait démonter. En même temps, je suis tombé avec des Russes contre des teams de 5 potes, donc c'est. C'est chaud quand même. Bon, des fois on se démerde, on arrive plutôt à bien se démerder, mais là c'était chaud. Donc j'ai perdu les deux games, malheureusement. Alors, ça arrive. Je suis toujours Eagle. Eagle, donc sans laurier, hein, juste Eagle aussi. Je crois une seule fois j'ai essayé d'attendre les Eagle Master. Et je n'y suis pas resté longtemps. De toute façon, moi, Laurent, que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus, hein, sur CSGO. C'est le but même du jeu qui m'intéresse. C'est juste, voilà, de me divertir, de jouer un peu et puis prendre un peu de bon temps. Même si parfois on tombe avec des Russes qu'on rage comme des porcs. Mais au moins, bon, on arrive à se faire plaisir. Voilà. En tout cas, moi. Je sais pas vous, mais moi oui. Bon, je pense que j'ai tout dit à propos de. Waouh! De ce jeu. Je pense que c'est dans le château, ça. Je vais le laisser tranquille. J'ai pas envie de monter. Je suis retourné un petit peu dans la ville là. Il y a juste 2-3 mecs là. On va aller voir ce que ça donne. D'ailleurs, parlant, enfin, je pensais à DayZ là sur la lune, parce que j'avais dit que j'allais refaire des vidéos dessus. Faut savoir que l'optimisation actuelle de DayZ sur la lune fait que je ne peux pas vraiment faire des vidéos dessus. Je peux y jouer, mais je pourrais jamais faire de vidéos. Là, je peux pas, ce serait pas possible. Sinon, il y aura pas, il y aura clairement pas assez d'FPS quoi. Donc, dans l'état actuel, c'est pas possible. Malheureusement. J'aurais bien aimé faire un petit peu de vidéo dessus. Histoire de retourner un petit peu à l'airfield. Parce que moi sur DayZ Standalone, c'est le nord, quoi. Je reste pas à Tcherno. Ou Electro, ni Berezino. Moi, je vais au nord directement. Moi, c'est Starry Sobor, Novi. Enfin. Voilà, quoi. C'est vraiment. Le haut, quoi. M'intéresse, ça fait un petit moment que je joue à DZ, donc. Il m'a one shot aussi. Eh ben, GG à lui. J'en suis à combien? À 5 kills là. J'ai fait. Non, 3 kills. Je comprends pas le. D'accord, c'est pas grave. On est où? On est où? Eh ben, on est pas loin. On est juste à côté, je dirais même. On va essayer d'atterrir. Waouh. Dans les arbres là. Par les rochers, ça fait 150 mètres. On déploie le parachute. Hop, hop. On retire en vitesse. Nous revoilà sur le ground. Ah ouais, donc je pensais aussi à DayZ. Je pense à Debix, malheureusement. Je pensais à lui aussi, parce que. Voilà, je pense que vous le connaissez tous, Debix. C'est plus une personne à présenter. Et donc, ouais, non plus il campe quoi, enfin il campe pas vraiment. Il reste, enfin il a une ville, il reste dans sa ville quoi, littéralement. Émuite, ça c'est que des émuites précision compact, ouais, que de. Le compact il a pas un viseur de sniper, ouais, voilà. Bon, on avance ça, c'est une arme plutôt sympa le émuite, j'aime bien. Ouais, donc ouais, comme je disais. Enfin, comment ça vous dire, à chaque fois j'arrête pas de m'égarer, mais là, je suis sur live, j'ai pas de choses à dire.
Ouais, donc Bibix. Oh, salut toi. Ok, il est mort. Je l'ai tué. Donc, je sais pas si ça fait une vengeance. Je sais pas si je peux voir le chat. Visuel, non, c'était Demise. Demise. Non, il est pas encore mort, le monsieur. Je sais pas où il est. Littéralement, il est mort juste devant, là, en fait. Bon, on va bouger un peu, on peut pas camper non plus. Et ouais, donc ouais, Bibix lui il campe. Il campe les villes. Il ne fait que ça, hein, littéralement. Il ne fait que ça. Et que c'est que. Ce qui me choque un peu, parce que quand moi je le regardais dans ses débuts, c'était une grosse, grosse merde. Et là, plus je m'aperçois, plus il est bon. Hein. Il est vachement bon. Hein. Il est devenu vachement bon. En même temps, il s'approche des 6000 heures de jeu. Forcément. Ça aide un peu. 6000 heures de jeu, c'est énorme. Oh. Hop là. Il l'a tué, le mec qui était là-dedans. Ah, bonne question. Est-ce que j'ai des jumelles? Non. Il n'y a pas de jumelles. Donc, je sais pas. En tout cas, là-dedans, il y a pas mal de fights dans cette ville. Là, je sais pas comment ça s'appelle, mais. Attends, si je lui teste, on s'en fout des noms des villes, on va dire. Il y a deux villes. Deux villes à camp militaire. Un airfield, et voilà. Voilà les principaux points d'intérêt. Notice. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, en même temps, c'est ce qui fait vitesse, quoi. C'est ce qui fait que c'est une map only PVP, quoi. Voilà. Bon, sinon, on va parler un petit peu de Fallout 4. En fait, j'ai envie de parler de Fallout 4. Parce que c'est à cause de lui, entre guillemets, que je ne fais pas de vidéo Daisy Mod. Parce qu'en fait, bah, Artyom n'arrête plus de jouer à Fallout 4, à Fiat. Il a 57 heures, je crois, les yeux. Non, 40 ou 57. Enfin, 47 ou 57, je ne me souviens plus. Mais ouais, il a énormément de nombre d'heures. Et il s'arrête pas sans forêt. Ouais, donc ouais, donc faire des vidéos... Oh, je pourrais reprendre un peu des vidéos solo Daisy, mais bon, hein. Ce ne sera pas aussi intéressant que si elle aurait été lui. Ça n'aurait pas été aussi intéressant. Mais je vois le mec qui m'a tiré dessus. Hein. Je vois où il est. Enfin, je vois moi la direction. J'étais mauvais là par contre. J'ai été mauvais. Mais je l'ai tué, donc c'est bon. Donc je l'ai tué, moi ça me va. Bon, on va bouger un petit peu vers mise en rouge là-bas. Oula. Bon, maintenant je suis jamais, j'en ai 50 sur la gueule. Ah merde, elle était plus à droite. Bon, me revoilà mort. Oh putain. Oh là là.
On va refaire un petit random comme ça, des familles. Oula, j'aime pas ce spawn. Parce qu'on peut rien faire. Donc on va aller plus par là et puis on va se diriger tranquillement de la zone là en face. On va ralentir. Hop, vous voyez. Oula, oula, j'arrive trop vite. Ouh, je vais crever. Oh putain, oui. Je sais pas pourquoi le parachute a continué sa route alors que il était déployé. Bon, on recommence. Course, merde. Voilà, bah c'est pire encore. Oh là. Ah non, c'est pire, c'est bien pire. Vous savez quoi, on va dans la ville, alors on va essayer de se trouver une caisse d'armes, puis on va se stuffer un peu. Bon, revanche, je mets beaucoup trop tôt. Si je ne meurs pas avant de l'atterrir, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Donc ouais, donc Fallout 4. Sinon, Fallout 4 en lui-même. Hop, oui, pile poil ici. Hop. C'est un bon jeu, quoi. Moi, je dois avoir 2 heures dessus, je crois, 2 ou 3 heures. C'est plutôt un bon jeu. Moi, je l'ai pas, enfin, je suis vraiment tout au début, quoi. J'ai. Voilà, quoi. J'ai juste la base du début, hein, la base de la base. Et c'est tout, quoi. Et j'ai rien d'autre, hein, dans l'autre jeu. Mais sinon, il est vraiment bien. Enfin, il est vraiment bien. Ouais, ouais, si, ça va être bien. C'est pas non plus le jeu le plus ouf du monde. Il reste sympa. Il reste sympa. C'est pour ça que je joue pas. Hein. Non plus comme intérêt comme comme Denis, enfin comme Artyom, excusez-moi. Sinon c'est un bon jeu quoi. Ça reste un bon jeu. Tiens, on va essayer de trouver une arme là-dedans. Oh des merdes. Allez vas-y, on va sniper un peu du cul. On va essayer de voir les 50 là qui m'a tué là, ce petit enfoiré. Parce que lui là. Enculé. Campi-camp. Hein. Moins 1 en véhicule. Ouais, c'est vrai, j'ai foutu une patate sur un véhicule. C'était derrière moi que ça tirait. Hein. On va continuer, c'est pas grave. Ils sont là. Je kill, il va y en avoir deux partout. De toute façon, je ne vois rien. Je ne vois rien, je ne vois rien. Bah, ça doit être un peu trop loin. On va essayer de monter un peu. Ça me fait chier, j'aurais bien voulu tuer le S50, non, mais. C'est vrai que ça fait un peu loin. Puis ça me fait chier de prendre une voiture un peu. Ça me fait chier, mais on va en prendre une. On va en prendre une. Je crois avoir vraiment chaud au final. Hop. Allez hop. Faut qu'on se dirige un peu plus vite, quoi. Oula. Il y a un tank en mission, quand même. Lourd. Lourd, lourd. Est-ce qu'il n'y a pas les bouchons d'oreille? Non. Bon. Nous voilà à pied. On va essayer. Hein. On va essayer de tuer du monde. Un peu quand même. Attendez le tir là. Ouais, on va aller voir ça. C'est un Scar, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il se prend des tirs là, j'ai l'impression. Donc, ça ne soit pas lui. On va essayer d'aller derrière les rochers là. Juste au-dessus de ma tête. Chut, hop, là-dedans. Désolé si je renifle un peu, mais ouais, je suis un peu enrhumé, commence à faire un peu froid, forcément. Hein. Là, le nez qui coule un petit peu. Vu que je suis en train de me faire chier, je suis en train de me moucher, ça m'embête.
Ça m'emmerde, littéralement même. J'aime pas être en contrebas comme ça, non. Il n'y a personne à priori. Par contre, je préviens s'il y a un mec au cas que je vais fou là. Je vais pas essayer de viser comme un taré. Regardez-le, cet enfoiré là. J'en étais sûr, en fait, je sais pas, c'était l'instinct, et l'instinct il m'a dit, il y a un mec là-haut. Et je l'ai tué. Je sais pas pourquoi il m'a pas tiré dessus. Peut-être que j'étais un petit peu trop près de lui. Il pouvait pas assez se baisser. Peut-être. Bon, c'est vraiment lui qui m'a tué, je pense. Hein. Il avait l'air d'avoir un snipe. Je sais pas ce que c'était comme ça. Faut pas le voir. Et... What the fuck? What the fuck? Il y avait personne dedans. Il y a personne dedans et le truc il continue. Allez, voilà le scar. Et voilà, il est plus. C'est lui le mec Oscar 21. Le mec que je voulais tuer, donc c'était pas un I-50, autant pour moi, c'était le mec Oscar. C'était un des deux, soit lui, soit lui qui était là-haut, je sais pas, bah un des deux, coup sûr. Bon voilà, ils sont morts. Ah, c'est qu'on peut faire des vélos, ça j'ai beaucoup de temps zappé. En même temps, bon, je sais pas quoi les vélos, enfin je sais pas trop à quoi ils servent, puisqu'on peut directement... Si. Oh, il y en avait un autre à gauche. Il y en avait un en face, il y en a un autre à gauche. Ah, oh, fait chier. On va se les faire, on va les trouver un jour. On va se les trouver. Faut juste me laisser un petit peu de temps, histoire que je les repère, monsieur. C'est un peu chaud quand même. Hop, on fait disparaître. On reprend le DMR. Et on va essayer de se le traquer un peu. On va remonter là. Hop, voilà. Oh, mais c'est quoi ça, ce chien? Oh là là, comme il campe de ouf. Et c'est vraiment des salopes, hein. Le mec il campe au bord comme ça. C'est du can. Mais je viens tout juste de le tuer. Oh, le bug. Oh, forcément, il fallait que ça bug. Ah, il fallait que ça bug. Oh, l'enfoiré. Ah bah oui, bah ça y est, bah c'est mort. Bon, on va quitter. On va rejoindre. Ah, c'est dommage. Donc ouais, je suis plutôt ravi de faire cette vidéo. Ça fait déjà une demi-heure. Chaud. Je sais pas en plus si je vais pouvoir couper des moments. Parce que... voilà. Ah bah, ça va être la fin. Ça va être la fin de la vidéo. En plus, le son, il sature. Bon bah voilà. Ça va être sur ce bug et sur ces deux morts que l'on va s'arrêter aujourd'hui. Non, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. C'est gentil quoi. C'est très gentil le pouce bleu. Si vous avez pas aimé, si vous n'avez pas aimé, j'arrive plus à parler, c'est la fin. Je pars en vrille, heureusement que j'arrête. Hein. Heureusement que j'arrête. Donc si vous avez aimé, pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, pouce rouge, hein, ça... les deux avis m'aident. Hein. Si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, bah, je recommencerai pas. Si vous aimez, bah, je recommencerai. Si je vous emmerde, bah, dites-le. Hein.
Bref, donc à très très bientôt tout le monde. Donc salut tout le monde, c'était Visual. Puis bah ciao tout le monde.